Mars d'être là. Merci beaucoup. Et puis moi je dis, moi qui ne parle que le français, et un petit peu de français également. Vous voyez, c'est déjà pas mal, je suis bilingue, français-français. Mais c'est rare. Je crois que je suis un des seules personnes au monde à être bilingue français-français. On pouvait le dire franco-français. C'est énorme, c'est énorme. Et bien, je trouve que de soutenir l'Occitan et de soutenir comme ça qu'une école perdure et fasse un merveilleux travail pédagogique sur l'Occitan, je trouve ça juste fantastique. Bravo. Et puis pour terminer, n'est-ce pas, j'aimerais pour ceux qui auraient oublié de le noter tout à l'heure ou qui n'auraient pas pu le noter tout à l'heure, j'aimerais, n'est-ce pas, vous montrer le numéro aux autres. Voilà. Éric Chopitre, notez-le vite, hein, si un cœur à prendre donc, si je l'ai montré. Voilà. Hein, vous savez tout, merveilleux. Fantastique. Tout le monde a noté. Voilà, parce que je ne dirigerai pas comme ça tout le long du temps. Encore que, en tant que transformiste, vous voyez, ah là, c'est une occasion rêvée, vous voyez. J'arrive sur scène en deux secondes. Vous voyez, c'est une idée à creuser, ça. À creuser ici, et puis comme ça, vous voyez. Comme une serviette de pain. Je ne montre pas ta santé. Chers amis, c'est parti. Parce qu'on rigole, mais un peu de sérieux quand même. Hein. Alors, hop, Eric nous a parlé tout à l'heure, vous a parlé tout à l'heure, d'un grand monsieur d'accordéon qui s'appelle Richard Galliano. Eh bien, Richard Galliano, justement, on va lui rendre hommage pour le bis. On va jouer une de ses pièces qui s'appelle le New York Tango. Alors, si vous connaissez la série PJ, eh ben, c'est la musique de la série PJ. Voilà. La vraie. Alors, il a fait un concerto qui s'appelle Opal Concerto, pour cordes et accordéon. Et en fait, ce New York Tango est tiré de ce troisième mouvement de ce concerto, Opal Concerto. Monsieur Galliano, être fantastique, parce que moi je l'ai croisé aussi, et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, il est juste extraordinaire, il était venu jouer le concerto il y a des années de ça. Hein. voilà, je ne raconte pas ma vie, mais il y a des années de ça, j'avais joué avec lui, n'est-ce pas, le concerto de Piazzolla. Voilà, abandonnéon et orchestre à cordes, je crois, et c'est voilà, juste merveilleux de jouer avec vous. Donc n'oubliez pas, le 7 novembre, moi j'ai déjà pris mes places. Chers amis, le New York Tango, bon appétit à tous. Thank you.
Jean-Pierre, peut-on décemment laisser une salle dans la tente ? Et il me répond, ni dans mon oncle, d'ailleurs. Vous en profitez, quoi. Normalement, ça ne devait pas être dévoilé au public. Ah si. Mais c'est pas grave. On a besoin d'un peu de péter les plombs à la fin de la semaine. C'est presque normal. On va vous le refaire, ce New York Tango. Ah bah oui, parce qu'il est très court. Alors, une deuxième fois, je pense que c'est bien. D'avoir la maladie de Parkinson. Parce que, au début, c'est très tétanisant. Hein? Comme au piano, c'est pareil, tchac, 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 les notes répétées, c'est toujours très tétanisant. Pour les cordes, pas de problème. Pour... C'est très tétanisant. Très tétanisant. Et le mot tétanisant, c'est très tétanisant. La langue française choisit bien ses mots. C'est comme le mot dyslexique. Imaginez un enfant qui a des problèmes de dyslexie et qui doit dire je suis dyslexique. Ben, la langue française parfois quand même des tout, hein. Bonjour monsieur, je suis dyslexique. J'ai des problèmes. C'est pas bien, la langue française parfois n'est pas bien. Voilà, c'est même méchant. Vaut mieux parler occitan, exactement. Alors comment ça fait quand on est dyslexique en occitan ? Alors au lieu de Adi, parce que Adi c'est bonjour, c'est ça ? Voilà, Adi, j'ai appris un mot, n'est-ce pas ? Pourquoi c'est ? Pour les verts, n'est-ce pas ? Mais d'abord Adi. Et dyslexique, je sais pas comment c'est. Chers amis, pour vous faire preuve de ma bonne volonté, souvenez-vous de l'épisode James Bond. Je vais diriger sans mes lunettes. Voilà, comme ça, s'il y a des erreurs, vous saurez à qui la faute. Thank you.
bonne soirée. Et à très bientôt.